Salut, c'est Evoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle d'ici tout comment juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti! La semaine dernière, le championnat des maîtres d'hôtel a enfin commencé et avec beaucoup d'acharnement, Laetitia a eu la chance de participer aux épreuves en candidate libre. Mais la compétition a été interrompue suite à une altercation entre Stanislas et Hippolyte, et depuis que le professeur de salle a appris de la bouche de Laetitia que son père est atteint d'Alzheimer, il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Pour cette semaine dans Ici Tout Commence, Stanislas Duchesnay est désormais exclu du championnat, ce qui laisse Billy seul face aux épreuves et au terrifiant jury. Laetitia ne sait pas quoi faire pour qu'il lui pardonne ses mensonges, et cette dernière hésite entre continuer la compétition pour sa carrière ou la quitter pour récupérer l'homme qu'elle aime plus que tout au monde. À l'institut, les ragots continuent d'alimenter les discussions au sein de l'école de cuisine, et le sujet du moment est bien entendu les petits rendez-vous secrets de Solal et Zoé à l'internat. Gary commence à ressentir un peu de jalousie, et il décide alors d'engager son camarade Tom comme enquêteur histoire de comprendre un peu mieux ce que son ami Zoé veut lui cacher. Puis l'application Oz continue de faire des ravages la semaine prochaine, et pendant que Léonard et Gaspard se battent pour la première place du classement, de nouveaux élèves se lancent dans leur premier défi. En effet, notre couple préféré, Jim et Jasmine, se prêtent eux aussi au jeu, mais leur premier défi se déroule en cuisine et il va littéralement tourner au vinaigre. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!